Foot FM, bonjour. Lisa, bon, j'ai mis du temps pour en parler parce que ce sont des amis. Chicanos a fait un aller-retour tonitruant sur Canal 10. Parti sans tambour ni trompette un jour, de retour le lendemain en fanfare. La tête de Lisa contrite tandis que Chicanos lui faisait la leçon en direct. D'ailleurs, même leur pote Danny qui en a parlé sur CCN, c'est dire le traumatisme, mais ils s'en remettront sûrement. Jocelyn Sapoti est en pleine action. Rare est le jour où il ne se passe pas quelque chose sur sa commune de Lamantin. Un tronçon goudronné, à croire qu'il y a des centaines de kilomètres de route de cette commune. Une charte de bonne conduite, une action avec service de police, etc. Et pourtant, il n'y a pas d'élection à venir, sauf les municipales en 2020. Maryse. Qu'attend Maryse Hetzel, maire de Grandbourg, présidente de la communauté d'agglomération, pour faire de Marie-Galante une seule et unique commune avec un nombre d'habitants significatif. Donc, des moyens pour développer l'île, d'autant que Marlène Miraculeux à Capesterre, Jacques Cornano à Saint-Louis, sont plus ou moins out depuis longtemps. Prosit, près de 3 millions de bouteilles de champagne importées en Guadeloupe et Martinique. 4 bouteilles par personne et par an sur 730 jours, ça semble ne pas faire beaucoup, mais n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonne fin de semaine et à lundi.